qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Mais écoutez, moi, dès que j'apprends qu'il y a un truc intéressant dans le métier, j'y vais en courant. Alors, Justin, bon, voilà quoi. C'est quelqu'un avec qui j'ai roulé pendant des années voilà, dans le domaine. Et pour moi, c'est toujours un réel plaisir quoi, de venir assister. Et voilà, de rincer les oreilles parce que je sais que c'est un musicien très talentueux. Nicole, qu'est-ce que tu amènes ici ce soir? Ben, je viens soutenir la culture camerounaise. Hein. Quand les années sont annoncées, je pense que nous, la nouvelle génération, nous devons de venir prêter main forte, de soutenir. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Hein. Donc, ceux qui pensent que la culture camerounaise n'a pas d'importance, ils sont contre. Vous voyez, dans la salle, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, beaucoup d'hommes de culture. Donc, à ma gauche, j'ai Benji et Alain Tchikoubé. Et là, j'ai M. Alain Tchikoubé. Monsieur Guy Bilon et son épouse, qui est une chanteuse, une grande chanteuse aussi. Alors, vous voyez, derrière moi, je n'ose pas vous dire, c'est énorme. Quoi. La culture camerounaise va toujours de l'avant, c'est le Cameroun qui gagne. Merci Nicole. C'est gentil, je pensais que le peuple parisien avait une très très bonne éducation, donc je ne me suis pas trompé bien évidemment. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en ce lieu. La bienvenue parce que ici, j'ai envie de dire, vous êtes chez vous. Et comme disait Marcus Garvey, un peuple qui ne connaît pas son passé, qui ne connaît pas son histoire et qui ne connaît pas sa culture... est un peuple qui n'existe pas. Et donc ce peuple qui est là, ce soir, exprime bien évidemment son appartement à l'univers culturel, au monde de la musique, au monde de la culture. Et il aura fallu évidemment que vous descendiez dans ce lieu que j'appellerais la cave. Et comme vous le savez, dans la cave, on y entrepose du bon vin, du vin qui se... déguste, qui ne se boit pas, mais qui se déguste. C'est pour ça que vous avez ces allées, parce qu'on écoute la musique, on n'a pas forcément besoin de voir. C'est ça la dégustation. Alors, le collectif composé de trois entités, l'AMDC, la MCF et la DCC, l'Association musicale de la diaspora camerounaise, AMDC, créée par Manu Dibango, et la Maison des Camerounais de France, sous la direction de Aziz Moundé, et la diaspora culturelle camerounaise, que j'ai l'honneur de présider. Ces trois entités ont réfléchi à l'éventualité, bien évidemment, de mettre en avant nos artistes. Parce que, comme vous le savez, le Cameroun, c'est le creuset de la culture, et de beaucoup d'autres choses encore. Mais je m'arrête à la culture ce soir. Le Cameroun regorge d'artistes et de talents enviés dans le monde. Alors il est temps effectivement qu'on les mette à la lumière. Parce qu'ils ont la lumière, mais cette lumière ne jaillit pas encore assez loin. Voilà notre objectif. Et ce soir, nous allons vous présenter un des meilleurs musiciens de la Terre, du monde. Je n'en dis pas plus pour l'instant, parce que mon ami Tété viendra tout à l'heure parler de lui, avec Aziz également. Mais avant tout, je voudrais particulièrement remercier une maison, un pays, un lieu, le Paris Jazz Club, qui nous accueille ici. Et je voudrais qu'on applaudisse très très fort le Paris Jazz Club. Paris Prague Jazz Club. Voilà, parce que c'est le lien entre Prague et Paris, pour un lieu évidemment culturel. Merci beaucoup, je voudrais donc accueillir ici maintenant le directeur,
Monsieur Yeri, que je voudrais qu'on applaudisse très très fort. Voilà. C'est un homme de culture qui a tellement à partager. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai préparé un discours de 2 heures. Mais je ne vais pas vous le dire parce que il était déjà dit. Des mots tellement jolis qui me chauffent le cœur. Et c'était dit, sentez-vous comme chez vous. C'est peut-être la chose la plus importante parce que Paris Pride Jazz Club est un lien mythique, j'espère le dire comme ça, de la culture ouverte à tous au quartier Saint-Germain-des-Prés parce que c'est le quartier où le jazz est né en France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc peut-être pour terminer, je vais vous apprendre un mot en tchèque qui veut dire « Nazdraví ». Santé et bonne soirée. Merci infiniment. Franchement, ce mot en dit long. Mais il y a quelqu'un évidemment qui va peut-être le décortiquer parce que lui parle toutes les langues. Vous connaissez. Vous connaissez bien sûr Aziz Mondeh. Évidemment, Aziz Mondeh Gimbam, qui est un homme dont on aimerait avoir à côté de soi parce qu'il regorge de richesse, mais j'ai pas envie trop de lui dire ça, parce que lui, évidemment, il est prolifique et il nous enchante quand il prend le micro. Aziz, s'il vous plaît, si vous applaudissez, s'il vous plaît. Bonsoir Ruben Abignon, comme on dit sur la côte du Cameroun, Fouesho, comme on dit sur les côtes et les vallons de l'Ouest Cameroun, c'est-à-dire la paix soit avec vous. Et dans le pays Béti, le pays fan du Cameroun, on dit Abungan pour dire merci à tous ceux qui sont venus ce soir pour la première, pour le lancement de ces soirées Jazz from Cameroun. Et je remercie mon collègue et ami Iri qui a accepté de nous accueillir ici. C'est parti d'une initiative qui a été mise en place par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris, le FICEP, qui est ici présent ce soir par sa coordinatrice, que je demande d'applaudir, Anna Zassalda, et puis le vice-président du FICEP, qui est Michel Grabowski, Anna qui est coordinatrice du FICEP, et Michel Grabowski qui est chef de la mission culturelle du Luxembourg à Paris. Alors, il y a eu au FICEP, qui est une organisation qui a été mise en place en 2002 à l'initiative du Centre culturel canadien, une nouvelle impulsion que dynamise Anna. Elle organise tous les 3 mois pratiquement un networking de tous les centres culturels et les instituts culturels étrangers à Paris avec les programmateurs. Et donc à la première justement de ce networking, c'était le 10 mai à la résidence de l'ambassadeur d'Irlande à Paris. On a échangé avec Iri qui voulait découvrir le pays de quelqu'un, d'un grand bonhomme, d'un géant de l'histoire musicale et culturelle du XXe siècle que vous allez encore découvrir tout à l'heure. Il s'agit de Monsieur Manu Dibango. Eh bien, il voulait découvrir ce pays-là. Il voulait découvrir le pays de Francis Bébé. Il voulait découvrir le pays d'Alazi Touré, le pays de Bida Douglas, le pays de Big Bandy, le pays de Nicole Mara, le pays de tous ces artistes qui sont ce soir, mais aussi qui sont partis et qui ont révélé au monde toute l'intensité, toute la saveur et toute la richesse de la culture camerounaise. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, pas parce que c'est un slogan touristique, c'est simplement que dans ce pays-là, on retrouve, en termes de creuset, tout ce que l'Afrique a comme paysage, a comme culture, a comme patrimoine, puisque vous avez dans le Sahel, dans le nord du Cameroun, des gens que vous retrouvez au Mali. C'est-à-dire que ce sont des Peuls, ce sont des personnes que vous allez trouver au Burkina Faso, que vous allez trouver en Guinée. Et vous allez dans la forêt du Cameroun, vous allez voir des personnes que vous allez trouver au Gabon, en République centrafricaine, au Congo, à Kinshasa ou à Lomé, au Togo. Donc il y a des Bantous, les semi-Bantous, des Sahéliens. Et c'est comme ça un pays formidable justement par sa culture, sa géographie, son histoire, qu'incarnent les musiciens. Tout à l'heure, dans le travail qui sera proposé et l'œuvre de Justin Bovin, vous allez retrouver toutes ces saveurs. Vous allez retrouver Prague aussi bien que Douala. Vous allez retrouver Milan aussi bien que Kousséri. Vous allez retrouver Rio de Janeiro aussi bien que Fumban. Bref,
Je vous invite ce soir à découvrir le meilleur du Cameroun, parce que nous avons voulu, au Centre culturel de la Maison des Camerounais de France, que le public parisien redécouvre le Cameroun à travers ses virtuoses. Et nous nous sommes dit que tous les trois mois, à Paris, désormais, Roger Combe, Jack Jaim, Bida Douglas, Aladi Touré, Toto Guillaume seront de retour. Hein, Aladi, toi qui as produit la crème à la fois du Makossa et de la musique camerounaise, qui a proposé un album de jazz. Big Benjamin Tiki qui nous a proposé justement une Afrique patrimoniale avec le sorcier Bantou et Fifion Ribana dans une émission sur Africa numéro 1. Pendant longtemps, il y avait l'aventure mystérieuse et un personnage qu'il a révélé au public. Mesdames, messieurs, je vous prie d'applaudir tout ce soir la République tchèque et le Cameroun qui sont réunis autour de la culture de la... Alors, je vais terminer parce que j'allais faire un crime de lèse-majesté. Parce que quand vous voyez cet instrument-ci, il y a des sorciers autant de la basse au Cameroun que des sorciers de la batterie. Et c'est un monsieur que je demande particulièrement d'applaudir. Il s'agit de Guy Bilon. C'est un monsieur par qui beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a Conti qui arrivera, qui est son petit frère qui l'a formé, qui l'a suscité. Donc ils sont nombreux ici. Je serais exhaustif si je disais, mais je ne voudrais pas être exhaustif parce que vous aurez l'occasion tout au long de l'année de les découvrir. Merci encore. Merci, merci Aziz. Évidemment, on ne peut pas les citer tous, mais ils sont si nombreux. Parce que, évidemment, si je parle de Jackie Moifo, on sait très bien qu'on mangeait très bien le bœuf bourguignon à travers son écran. Il y en a tellement, évidemment, il y a... Voilà. La prochaine, c'est Nicole Mara, elle est là, tu me l'appelles. Et voilà, je pense que c'est déjà pris. Et Koulba, c'est là. Stéphane Daya, c'est là, il est derrière, évidemment. On peut applaudir aussi pour eux, d'ailleurs, Stéphane Daya, ce Koulba, qui sont là et qui, évidemment, participent de cet événement. Alors maintenant, mesdames et messieurs, je vais juste demander à mon ami, mon petit frère aussi, Tintin, de me retrouver, parce qu'on va ouvrir une petite séquence. Séquence souvenir pour Manu Dibango. Évidemment, l'AMDC, comme je vous l'ai dit, c'est l'œuvre de Manu Dibango. Jackie Toto est là. Et je vais donc demander à mon petit frère. Il adore ça. Ah, il dit qu'il est mon grand frère. Moi, je suis son grand frère, en fait. Voilà. On peut applaudir pour Tintin, s'il vous plaît. Alors, avant d'applaudir pour Tintin, applaudissez pour ce grand homme, Monsieur Essoprise. Vous savez, à force de marteler, une fausseté ne devient jamais une vérité. Il aime tellement insister sur le côté petit frère que la vérité se retourne contre lui-même. Une fois de plus, applaudissez très fort pour lui. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire, la genèse de ce concept. Parce que ce monsieur que vous avez vu en tissu SICAM tout à l'heure, c'est quelqu'un de très modeste dans la vie. Vous avez déjà applaudi ce grand homme. Je voulais juste vous dire que quand je regarde le plateau d'artistes qu'il y a devant moi, je voulais juste annoncer à la crème de la culture camerounaise et africaine que nous avons décidé de changer de paradigme. Nous, qui avons un peu de cervelet, nous avons décidé de vous donner la place que vous méritez parce qu'il est grand temps. Mesdames, messieurs, j'ai juste quelque chose à dire. J'en ai marre des hommages à titre posthume. Arrêtez de rendre hommage à nos légendes quand elles sont parties. Combien parmi nous ont regretté de ne pas avoir dit bravo à Manu Dibango de son vivant? Combien? Alors, mesdames, messieurs, profitez maintenant pendant qu'ils sont vivants. Quand vous voyez un monsieur comme Aladji Touré, mesdames, messieurs, ça mérite juste une standing ovation. Quand vous voyez un Bida Douglas dans une salle, ça mérite une standing ovation. Quand vous voyez un monsieur Guy Bilon dans une salle, ça mérite une standing ovation. Koulba, Stéphane Dayas, Roger Combe, je ne saurais tous les citer, Big Benji Mateke. Lui, je le cite souvent moins parce que c'est un petit sorcier. Mais c'est un sorcier bantou. Elle a alors la voix d'or. En plus, elle a le mérite d'être ma sœur des deux côtés. Mesdames, messieurs, elle est venue spécialement du Cameroun du bruit pour Nicole Mara. Alors, je vous disais que cette idée est née, ce concept est né du cerveau très 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 travailleur de ce jeune homme qu'on appelle Aziz Moundé. Et quand on s'est assis pour la première fois, Touré, je vais te raconter l'histoire, pour créer ce concept Jazz from Cameroun,
on s'est dit, c'est incroyable, le Cameroun est le berceau des musiciens au monde. Douglas, tu es d'accord avec moi, le Cameroun est le berceau, mais il est temps qu'on sorte les nôtres d'un certain trou. Pas parce qu'ils ne sont pas connus, non, mais parce qu'ils méritent plus que ce qu'ils ont. Et mesdames, messieurs, quand vous pensez jazz camerounais, quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit? Quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit? Tonton Manu, Papy Gros. Alors, quand ce concept est né, quand on a pensé à ça, malheureusement, comme vous savez, il n'était plus là. Il n'est plus là. Mais on s'est dit, on ne saurait faire quoi que ce soit sans lui rendre un hommage. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous demander quelque chose d'exceptionnel. De tous vous mettre debout et de ne pas observer une minute de silence. Aziz adore quand je fais ça. Je vais vous demander pendant une minute de dire à Papy Groove que nous pensons à lui. Mesdames, messieurs, levons-nous et faisons du bruit pour Papy Groove pendant une minute, s'il vous plaît. Je veux entendre du bruit pour Tonton Manu, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, faisons du bruit pour Papy Groove. Nous sommes dans une table qui ne nous entend pas. Une minute. Vraiment, Alain, qui était particulièrement proche de lui, je sens l'émotion monter, mais bon, c'est juste un hommage. Et son fils qui est derrière, Michel Ndé, merci d'être avec nous. Merci, merci, merci. Alors, Ndé me fait comprendre qu'il ne peut pas prendre la parole parce qu'il est très ému. Alain, je ne vais pas te faire ce truc parce que je te prends de court. Merci de vous asseoir. Je vais demander à cet homme qui l'a accompagné pendant de très longues années, qui est souvent resté dans l'ombre, mais même avant d'être aux côtés de Papy Groove, il a fait beaucoup de choses pour la chanson camerounaise. Et ah, MD, tu es prêt à dire un petit mot? Bon, MD là, j'appelle à mes côtés Monsieur Jackie Toto, s'il vous plaît. Et je vous demande de l'applaudir. Monsieur Jackie Toto, le président de l'ACMD, l'AMDC, et je fais exprès de dire ACMD pour être corrigé. Mesdames, messieurs, ce monsieur, je vais le respecter parce que vous êtes là, c'est mon grand frère. Mais dans la vie, c'est mon petit frère. Applaudissez très fort pour Jackie Toto, s'il vous plaît. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir. On a décidé de monter ce concept sous la houlette d'Aziz et je pense que notre souhait le plus ardent est de le pérenniser et d'essayer tout le temps de se retrouver sous de bons auspices. Donc je vous remercie, je ne veux pas dire grand chose. Je pense que, comme l'a dit précisément Tintin, nous avons la bénédiction de notre icône, de notre grand frère et de notre papa, Manu Dibango. Et je pense que ça va se pérenniser en pensant à lui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Jackie. Alors, le meilleur moyen d'avoir une pensée pour Papy Groove, j'aurais pu dire à Manfred Mafia de faire quelque chose pour lui. Mais pardon, c'est un nom que personne ne connaît. Je sais qui j'appelle comme ça, c'est Benji Matege que j'appelle. Je veux appeler quelqu'un qui va nous faire penser à Papy Groove. Mesdames, messieurs, c'est une icône également de la chanson camerounaise africaine. Vous savez, Touré, on peut le dire, quand l'équipe nationale du Makossa existait, il faisait partie de la section cuivre de temps en temps de cette équipe. Mesdames, messieurs, Roger Combe, s'il vous plaît. Roger Combe, pour une pensée à Papy Groove. Thank you.
Les données. Vraiment, nous sommes venus pour la musique et il est peut-être temps de parler musique. La seule chose que je voulais dire, il est temps de parler musique. Et qui mieux que Justin Bauvin peut nous entraîner dans cet univers? Je pense que l'anecdote dont Aziz veut parler, elle est longue. Je vais la raconter à l'entracte tout à l'heure. Juste pour vous dire que ce monsieur, quiconque connaît la famille Bauvin, sait que cette famille était destinée à être sportive. Justin aurait dû avoir un avenir sportif, mais au lieu que l'école buissonnière l'entraîne vers les terrains, cette école l'a entraîné vers les cabarets. Mesdames, messieurs, tout ce que je peux vous dire, c'est de faire une méga ovation. Ce monsieur, c'est juste un monstre de la chanson, de la musique africaine, du jazz mondial. Ce monsieur est ce qu'on appelle en français un virtuose. Mesdames, messieurs, monsieur Justin Bauvin. J'appelle l'équipe de Justin. Ben, merci Tintin, merci Abdelaziz d'avoir pensé à moi pour l'ouverture de ce jazz festival. Mais vous avez passé en revue toute ma vie. Ceux qui ne me connaissaient pas me connaissent maintenant. Voilà, grâce à... Oui, ben, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je vais inviter les copains à jouer un peu. Hein, c'est tout ce qu'on va dire, on va pas... On ne va pas trop traîner. Moi, je parle pas beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien jouer. Ah oui. Donc, vas-y. Où est Traogo à la batterie? Moi aussi. Qu'on va applaudir. Kevin. Kevin Traogo à la basse. Monsieur Alain Niamé. Ce que je voulais dire, c'est que on a travaillé en deux jours. Hein. On n'a pas travaillé. Parce qu'à la base, c'était un showcase, c'est pas un concert. C'est un showcase qu'on a voulu faire. Mais on ne pouvait pas faire un showcase sans vous faire un peu de musique. Donc c'est pas vraiment le concert, c'est vraiment un showcase fini par un petit concert. Hein? Donc, un flashback, je ne vais pas chanter flashback aujourd'hui. Non. D'accord. Donc voilà, avec des potes, on s'est réunis, on a fait une petite répète et on s'est dit, on va vous faire plaisir. Voilà. C'est parti. Thank you.
parce que j'en ai eu trois qui sont partis malheureusement très tôt, donc c'est pour eux que j'ai composé cette chanson. Et la prochaine, c'est Maman Marcel, une chanson que j'ai composée pour ma maman, qui est partie aussi il n'y a pas longtemps, donc je lui ai dédié cette chanson. Maman Marcel, et comme invité, j'ai Jacques James à la guitare. Bonjour. Bonjour. Alors, Jacques James.
Merci. J'ai invité une grande dame de la tap dance que j'ai rencontrée lors d'une jam session avec Voici Brice. Et elle a bien voulu venir ce soir pour vous faire plaisir. Roxane Butterfly, alors je te laisse présenter. Alors, Justin a voulu inviter un autre virtuose. Non, mais c'est sincère ce que je vous dis, mesdames, messieurs, cette dame, Mimi, tu as commencé. Cette dame, croyez-moi, c'est quelqu'un qui a eu l'honneur de danser en privé pour Bill Clinton et pour Barack Obama. Sincèrement, c'est sérieux ce que je vous dis. Et c'est quelqu'un qui va vous démontrer que les claquettes américaines peuvent s'adapter à la musique camerounaise, à la musique africaine et même au Makossa. Regardez, admirez, appréciez et surtout, je vais vous faire une petite confidence, c'est que l'artiste du jour a prévu... Vous savez, on a l'habitude de dire... Enfin, j'ai l'habitude de dire quelque chose... La nourriture spirituelle d'un artiste est composée de deux mains principaux. Un, les applaudissements, je crois qu'ils sont là. Et le deuxième mais principal d'un artiste, c'est ce qu'on appelle chez nous le farotage. Mais ce soir, le farotage sera composé, il y a des CD de Justin en vente tout à l'heure. Et vous n'avez pas le droit de partir sans chacun un CD à lui. Oh, voilà. Mesdames, messieurs, du bruit pour Roxane. Regardez, admirez et appréciez. Merci beaucoup. Je suis très, très touchée d'avoir... Tu m'aimes, ma chérie. Ça, c'est mon extension camerounaise à moi. Ma petite Bamileke de Julie. Voilà, tu vas être sage, hein? Tu vas être sage, hein? Ok. Non, c'est vraiment, je suis très touchée de pouvoir être invitée à cette jolie célébration. Donc, le tap dance, c'est un art américain. C'est né à la Nouvelle-Orléans. Donc, en fait, c'est pas que le tap dance peut s'adapter à la musique africaine, c'est qu'en fait, de façon détournée, c'est quand même du continent mer dont il est issu. Alors, parce que je vais vous faire un petit peu une petite démonstration, c'est ça que tu veux? Bien sûr. Mais façon jazz, du coup, pour que vous entendiez le son qui est celui qui a bercé mes oreilles. Et après, nous allons faire le voyage jusqu'à Palambo. Je vais peut-être mettre ça.
Manager. Alors, on va faire une petite dernière. Une petite dernière. L'âme de l'Afrique. Et j'ai invité une grande dame du cinéma africain, Marie-Philomène Nga, qui est là. C'est elle qui a fait le dernier film de la Rumba. Elle est parmi nous. Elle va nous citer un poème. Ah ben, j'ai pas de micro là. Tu me donnes ta carte. Je pense qu'à moi, c'est un super. Elle est là, Marie-Philomène, qui va nous. Elle va parler de l'âme de l'Afrique. Vous pouvez la voir en ce moment dans toutes les salles. Hein, voilà. C'est elle qui a l'affiche du film La Rumba. Et voilà, elle va nous réciter un petit poème d'une. De Rosène B. Tatiana qui est là ce soir. Rosène B, viens. Viens. On veut te voir aussi. C'est elle qui a écrit ce poème. Elle est partie de l'âme de l'Afrique. Elle a fait quelque chose de. Voilà. Vous allez la voir. Rosène qui est là. Et elle sera présentée à Marie-Philomène. On applaudit Rosène. Génial. Alors, tu vas nous dire quelque chose, Rosène. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, l'âme de l'Afrique? Bonsoir, je m'appelle... Peut-être que je le dis avant et comme ça, tu vas... Voilà. OK. Au mot, leur mot. Micro. Les paroles ont longtemps été entendues. Leurs mots ont longtemps résonné dans les cœurs. Depuis les côtes du Sahara jusqu'au fleuve du Nil, le vent n'avait que maudire. Africa! Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, la terre parle et continue de parler sans cesse. L'humanité n'a d'oreilles que pour des sifflements. Et pourtant, il s'agit toujours de la même chose. La famille. Au son des notes et des accords, à la synchronie du cœur, le message retentit au loin et parle de lui-même. Je suis là, à tout moment, au loin de temps, du temps dans le temps, où les mémoires ne cesseront de dire par l'éternité, matrie. Aujourd'hui jusqu'à l'infini, les cordes retentiront toujours au son de leurs accords. Que ce soit dans la joie et la tristesse, le bonheur et le malheur, l'heure a depuis longtemps sonné le moment des retrouvailles qui dit fraternité. Sous l'œil du grand soleil, bercé par sa chaleur brûlante, le continent revendique son identité culturelle usurpée et abolie. Que donc nous écoutions les mots plutôt que les paroles, où les cœurs chantent en chœur la voix du salut en un seul mot. Amour, n'est-ce pas? L'Afrique a tant à offrir. Que nos bras s'ouvrent et accueillent tendrement son amour à travers un art réel dans toute son originalité et où la duperie ne saurait guère avoir place. De Rosène B. Tatiana à Justin Beaufort. Oui, j'aimerais d'abord partir d'une petite anecdote. J'avais rencontré Boven, c'était vraiment une très grande surprise pour moi. Et il m'a dit, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, vu que tu écris si bien. Et donc, je vais te donner mon album, L'âme de l'Afrique. Et tu vas suivre tout l'album et ensuite me faire un résumé. Et du coup, puisqu'il ne s'y attendait pas du tout, il se disait que bon voilà, ça sera juste des paragraphes que je vais juste composer. Mais un soir, je rentrais de ma journée d'école, de classe, puisque je suis étudiante. Alors je dis, il faut que j'écrive quelque chose sur l'âme de l'Afrique. J'ai donc suivi tout l'album et tout de suite,
l'idée m'est venue de composer un poème qui ressort justement tout ce qu'on peut retrouver dans l'âme de l'Afrique, dans sa profondeur, dans sa quintessence et son essence, dans ce que nous savons vraiment et réellement de l'Afrique. Et donc, ce qui m'a donc le plus inspiré, c'est justement le titre qui est déjà d'abord l'âme de l'Afrique, et ensuite la composition musicale à partir des notes de Justin. Et du coup, j'ai réussi à pouvoir composer ce magnifique poème. Bravo! Merci à Bobel de m'avoir invité à dire ces mots. Merci à toi et bravo. Marie-Philomène! On applaudit. Standing ovation pour Marie-Philomène quand même. Vous êtes tous très timides. De l'autre côté, on ne vous voit même pas. Hi! How are you? Fine. Ça va? Alors,